Bonjour, Calimera, hello tout le monde. Voilà, je vous retrouve pour un dixième tuto. Aujourd'hui, on va dessiner un chat. Alors, on va dessiner un chat d'après un de mes dessins parce que les animaux n'ont pas voulu poser. J'avais tout installé pour qu'ils fassent leur sieste et puis ça n'a pas marché. Donc, je vous présente le matériel déjà. Si tu peux zoomer. Donc là, voilà, les pinceaux Art Pen noirs. Là, j'ai fait les essais. Le Faber-Castell gris foncé, vraiment au bout de sa vie, mais qui va me servir pour faire l'esquisse avec le crayon gris. Donc, critérium, mine 0,7, comme ça casse pas. Pinceau à réservoir avec une encre noire acrylique et pinceau réservoir avec une encre blanche acrylique. Et on va travailler aujourd'hui, bah là, si tu peux zoomer sur les dessins, donc plutôt sur des papiers colorés, parce que je trouve ça assez sympa. Quand même. Donc là, il y a différentes techniques, mais je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Il y a un intrus sur la vidéo, je vous laisse deviner. Oui, c'est assez facile. Alors, je vais prendre mon petit Je Faber-Castell vous au reprends bout de sur l'intro. sa vie. Et oui, bah, c'est un peu trop facile là. Et donc, je vais refaire ce petit dessin là de mon petit Bowie parce que je publie souvent des dessins de mes chats. Donc je me suis dit que ce serait peut-être sympa de le faire. Donc là, vous voyez, alors je vais faire un petit tracé vite fait au crayon gris. Si on fait un petit ovale là, on prend la mesure. Donc là, c'est cette mesure-là. Et on va faire en tout une fois, deux fois et demi. Alors, je recommence, je fais un ovale, je prends la mesure. Donc une fois, deux fois et demi, et donc je raccourcis ici. Alors là, je vais peut-être faire avec ça parce que on verra un petit peu mieux. C'est pratique, hein, les pinceaux usés, ça permet quand même de faire pas mal de choses. On peut toujours rattraper, même si les traits ne sont pas justes du premier coup. Je vous dis toujours, pas de panique. Voilà. Alors, évidemment, là, ça manque un peu de contraste. Du coup, je vais utiliser mon pinceau blanc. Alors j'ai toujours un petit mouchoir parce que ces pinceaux ils sont très très bien mais ils ont tendance à goûter. Donc voilà, moi je fais un petit peu attention à ça. On appuie dessus pour faire sortir l'encre. Il y a des petites bulles hein, qui apparaissent, mais c'est pas très gênant. Donc là, on va prendre en fait la teinte marron bistre là, du papier comme teinte médium. Là, je rajoute juste les zones les plus claires. Là, il va falloir que j'appuie un petit peu plus sur mon pinceau. Il a des petits jambonneaux, Bowie. Voilà. Et alors maintenant, du coup, je vais passer. Alors, je peux prendre le Art Pen, par exemple. Là, par contre, c'est frais, donc je vais éviter d'y toucher. Il y a toujours un petit sourire, les chats. Enfin, ils ont toujours l'air d'avoir un sourire. Parce qu'ils savent qu'ils dominent le monde. C'est vrai. Et là, du coup, pour avoir pas mal de contraste, parce qu'il était sur ma veste noire, qu'il affectionne, histoire de me mettre ses poils blancs partout, hein, vous vous doutez bien.
Alors là, c'est sympa parce que là, on peut vraiment. Ça donne plus de contraste encore. Et ça permet de poser le plan sur lequel se trouve le petit chat. Alors là, par contre, je vais. Est-ce que son œil est sec? Je vais mettre un petit peu de. Voilà, éponger un peu la peinture. Et ben voilà, je crois qu'on peut considérer que c'est fini. Non, t'as le dessus de la cuisse. Ah, oh, le dessus de la cuisse, elle note tout. Elle note tout. Oui, tu as raison. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi, ce que j'aime bien, c'est que, voilà, c'est la façon de tenir son pinceau. On peut quand même. Voilà, c'est ça qui est sympa. C'est qu'on peut avoir des traits plus variés. Voilà, on voulait faire un petit tuto court aujourd'hui. Je pense que là, on a battu nos records. Voilà, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, sur la page Facebook Isabelle Croque en Stock, Isabelle Duré Croque en Stock Carnet de Voyage. Sur Flickr, Isabelle Duré. Et autrement, sur Overblog, isabelle.duré-over.blog. .com, ou quelque chose comme ça. Voilà, à bientôt pour un 11e tuto. Bonne journée! Ce papier blanc. Eh oui! Ce serait bien. C'est toi le héros de la vidéo. Ah bah oui! Montre-nous tes jolis yeux. Oh, avec un œil bleu et un œil vert en plus. Regardez-moi cette beauté. T'es trop beau.